Hey Matelot, ici Defroy. Aujourd'hui on se retrouve pour une visite et un tutoriel de maison moderne sur Minecraft, qui est celle que vous avez présentement devant vos yeux. Et oui, j'ai bien dit une visite et un tutoriel, et non pas juste un tutoriel comme d'habitude, parce que oui, mesdames et messieurs, oui, j'ai pris l'engagement de faire la décoration d'intérieur de mes maisons à partir de maintenant, et de les montrer en visite au début de la vidéo, parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui aimaient les visites que je faisais avant des maisons modernes sur Minecraft, et donc du coup voilà, je reprends un petit peu la sauce. Je vous mets aussi un timecode quelque part dans la vidéo, histoire que vous puissiez aller directement au tutoriel pour ceux qui sont intéressés par le fait de refaire la maison. Et puis voilà. Allez, on va faire un petit tour de la maison rapidement, avant de voir l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir, je pense qu'il y a certains d'entre vous qui auront remarqué que la maison ressemble beaucoup à une autre maison que j'avais fait il y a très très longtemps au début de la chaîne, et qui a été pendant très longtemps la vidéo la plus vue de ma chaîne, hein, qui était un tutoriel pour une autre maison qui ressemble beaucoup mais qui est beaucoup plus petite. Hop, je vais peut-être rafraîchir la mémoire de certains. Regardez cette maison, est-ce qu'elle ne vous dit rien? Si, peut-être. Et oui, parce que c'est une maison là, le tutoriel qui avait permis de réaliser cette maison là a été pendant très longtemps la vidéo la plus vue de ma chaîne. Et oui, ça avait eu beaucoup beaucoup de succès à l'époque, c'était il y a presque 10 ans, mesdames et messieurs. Pas tout à fait, mais quand même pas loin. Et donc ça me rajeunit pas cette histoire. J'ai voulu refaire du coup aujourd'hui la version pimpée, la version vraiment avec des épices, oserais-je dire, beaucoup plus grande, beaucoup plus stylée, avec une fontaine, enfin pas avec une fontaine, mais avec une espèce de bassin, avec toute une partie du jardin creusée dans le sol, avec cette cour en dalle qui se sépare en deux parties, une partie pour aller directement sur la terrasse du premier étage, une partie pour aller au sous-sol, qui nous permet de rejoindre voilà, l'entrée de la maison, avec des grands piliers à la romaine pour souligner un peu la magnificence de l'architecture, voyez-vous. Et cet escalier-là, hop, qui nous permet de remonter. Je dois vous avouer avoir été un petit peu fainéant sur les bords, dans le sens où la maison est symétrique, elle est pareille d'un côté ou de l'autre, et elle est exactement la même chose aussi d'un côté à l'autre au niveau de la décoration d'intérieur. J'avoue, voilà, c'est un petit peu une paresse de ma part. Voilà, c'est ce genre de... voilà, bon. j'ai oublié d'enlever des torches d'ailleurs en plus. Donc voilà, si jamais vous avez envie de refaire la décoration d'intérieur, n'hésitez pas. Le truc un petit peu difficile avec cette maison, c'est que comme elle est ronde, eh bien les murs sont pas droits, et donc c'est très compliqué de faire de la vraie déco qui va bien. Bref, ici on est sur une espèce de petite cuisine. Alors, je débute en décoration d'intérieur, donc c'est beaucoup moins bien que ce que vous voyez sur les vidéos précédentes. Voilà, je vous préviens tout de suite, parce que, hein, bon, au moins je la fais. Arrêtez de râler, je sais que vous avez pas râlé, calmez-vous. Donc ici nous avons une espèce de cuisine avec un îlot central, avec un évier, avec deux éviers, avec un seul robinet, ce qui est extrêmement pas du tout pratique, et une espèce d'autre évier qui ici comme ça, avec des œufs de tortue sur le côté, qui sert pour donner l'illusion comme s'il y avait des produits de vaisselle ou d'autres produits de bizarres que vous pourriez avoir dans votre cuisine. Ainsi que voilà, la même chose sur le dessus avec des espèces de pots de fleurs. Ici sur le côté, bon voilà, j'ai mis des portes qui ne devraient pas du tout s'ouvrir de cette façon-là normalement. Attends. Voilà, c'est beaucoup mieux. Exactement ce que je voulais faire dès le premier coup. Bon. Bref, voilà, donc du coup vous avez des placards dans les coins de la maison que j'avais voulu faire dès le départ. Vous voyez, pareil, les pièces séparées par des espèces de grandes ouvertures ici avec des vitres au-dessus. Assez classique, mais qui marche toujours très bien. Le petit pot de composteur avec les fleurs qui... les feuilles, pardon, qui sont placées au-dessus, pour donner un petit peu d'habillement, on va dire, au mur. Voilà, les murs étant un petit peu, comment dire, arrondis, donc du coup, il y a plein d'effets d'angles comme ça partout. Donc, les tableaux sont assez difficiles à mettre, les étagères sont assez difficiles à mettre également. Donc, voilà, les pots de fleurs, ça permet d'habiller quand même l'histoire. Petite table, voilà, en dalle, bon, classique, en dalle et en escalier plus exactement. De boulot pour faire le café, pour faire le boulot du coup, mais le café aussi. Voilà, ce genre d'étagère très simple en ardoise, j'allais dire, ce qui n'est pas du tout le cas en fait. C'est une étagère en pancarte, en trappe, voilà. Et
attendez, pourquoi ça marche pas ça? Voilà. Ça avait bugué, très bien. Un lit, ma foi, avec un espèce de... d'arrière de lit, voilà, je trouvais plus le mot, en laine, cyan, classique, le lit de la même couleur, ici comme ça, entouré de dadales, pour pouvoir faire les choses correctement. Vous remarquerez ici que j'ai mis des dalles au niveau du plafond, tout simplement, parce que sinon, paf, c'est de la terre, voilà. Y a un espèce de mini jardin sur chaque terrasse d'étage, et des éclairages comme ça, alignés, parce qu'évidemment, la pièce étant tout en courbe, c'est assez compliqué. Ici, on a un petit accès pour aller au jardin du sous-sol, ok. Et effectivement, ça c'est un truc assez sympathique dans la maison, c'est-à-dire que le jardin est en sous-sol, et donc vous êtes quand même caché du vis-à-vis par rapport au voisinage, bon sauf les grandes tours que vous avez juste à côté, évidemment, sur le serveur. Mais malgré tout, vous voyez, vous avez un jardin qui est complètement caché du vis-à-vis, et qui est quand même bien sympathique, si jamais vous voulez mettre des cultures aussi, c'est l'endroit. C'est l'endroit, c'est l'endroit. Et donc on a une espèce de petit pont, qui nous permet d'avoir l'entrée finalement de notre maison ici. Hop, comme vous pouvez le voir, du coup on a nos différents jardins aussi sur les terrasses ainsi que sur le toit, comme c'était le cas pour la première version de la maison. Et puis c'est plutôt sympathique. Ici d'ailleurs, on va prendre cette route là et on va pouvoir aller au premier étage du coup. Pour avoir accès au petit salon à ce niveau-là, je pense que c'est peut-être la pièce la plus réussie de la maison. Dans le sens où un salon vraiment qui fait un peu une forme de rond comme ça, avec une barre en plein milieu, un peu comme une Pokéball finalement. Ce qui est plutôt pas mal. Entouré par des espèces d'énormes vitres, dans une ambiance cosy. En plus avec les shaders, ça rend vachement bien. Voilà, petite armoire en pancarte. Pourquoi j'appelle ça toujours des pancartes? Des trappes, voilà. Qui est toujours ma foi, toujours aussi efficace. D'accord, donc il y a visiblement des tableaux qui ont sauté lorsque j'ai dû faire le copier-coller. Et on arrive ici sur une autre chambre du coup, un petit peu plus large, avec voilà, un arrière en vert toujours, et le lit de la même couleur, pourquoi pas. Sur deux blocs de large, vous voyez notre arrière de lit, notre tête de lit, voilà, ça y est, j'arrive à retrouver mes mots, notre tête de lit, pour pouvoir avoir une espèce de petite encoche qui nous permet de mettre des choses dessus. Voilà, pourquoi pas. Certaines personnes pourraient mettre des têtes customisées, vous voyez, avec genre des têtes qui représentent un réveil ou hamburger, pourquoi pas, parce que vous êtes beaucoup, je sais, dans le chat, effectivement, je fais... les constructions, comme par exemple cette maison-là et d'autres constructions, sur Twitch, en live sur Twitch, et donc vous pourrez vous-même participer à la construction des prochaines constructions qu'il y aura en tutoriel sur la chaîne. Et donc n'hésitez pas à venir vous abonner sur ma chaîne Twitch si jamais vous avez envie de venir avec nous dans la bonne humeur. Je vous mets ça, le lien, dans la description, bien sûr. Bref, du coup, ici, on est sur voilà, la chambre qui sépare directement avec la salle de jeu. Un billard avec les fameuses taches de redstone sur les coins pour faire un peu les trous, vous voyez, de la salle du billard. Et les quiquilles qui servent à quiquiller. Bon. voilà, première terrasse. Table très simple, très classique, mais qui fait le café, vous voyez. Des plaques de pression sur des trappes. Et pour une fois, je vous ferai remarquer que j'ai réussi à dire le mot trappe de la première fois, du premier coup, sans avoir bugué sur les mots. Ce qui est quand même appréciable, n'est-ce pas? on remonte ici pour pouvoir avoir accès aux escaliers. Et puis voilà, d'autres couloirs avec d'autres étagères, vous voyez, avec d'autres types de trappes. Pareil ici, j'ai oublié mes tableaux qui ont sauté. Bon là, l'écran, c'est un très très grand écran, visiblement. voilà, avec le petit coin canapé. Bon. Et là, ça sent le manque d'inspiration. Je vous invite effectivement à me critiquer dans les commentaires, parce que là, je mérite carrément. J'ai mis en fait juste une étagère en plein milieu, deux, trois étagères sur le côté, des plantes de l'autre côté, parce que je vais être honnête avec vous, j'avais plus aucune inspiration pour faire la déco d'intérieur. Voilà, je suis en mode ASMR à la cool depuis le départ, mais en fait, je sais que c'est un peu de la merde, ma déco d'intérieur.
Parce que franchement, je suis plus habitué du tout à le faire. Et je sais, mais bon, c'est pas grave. Je vais m'améliorer petit à petit. Voilà, les prochaines maisons, je suis persuadé que ça sera beaucoup mieux. Parce que de toute façon, on va être honnête, ça va pas être bien difficile de faire beaucoup mieux que ça. Donc, on a quand même quelques petits effets de table. Tu parles, c'est hyper classique. Des tables en dalle avec des plaques de pression pour faire des assiettes. Tellement 2012. Bref, ici, voilà, pareil. Voilà. Bon, heureusement, le tutoriel qui va suivre sera de bien meilleure qualité. Je vous rassure tout de suite. On se retrouve tout de suite pour le tuto, du coup. Ok, on est sur la flat map du serveur pour faire le tutoriel. Ça serait quand même plus pratique. Je vais vous donner d'abord dans un premier temps le nombre de blocs dont vous allez avoir besoin pour réaliser cette maison. Hop, allez. Ok, une fois qu'on a ça, du coup, maintenant, on va venir placer nos repères au niveau du sol pour pouvoir faire notre maison. Je vais vous donner, du coup, les différentes dimensions dont vous allez avoir besoin pour réaliser ces deux cercles. Voilà, donc je vous ai donné la dimension pour réaliser le premier cercle et... Comme vous aurez remarqué très certainement, toutes les dimensions se répètent. Ce côté-là, c'est la même chose que le côté là-bas, qui sont la même chose que le côté là-bas, que le côté là-bas. Donc en réalité, vous n'avez besoin que des dimensions d'un seul coin, en fait, d'un seul quart du cercle ici, comme ça, vous voyez, pour pouvoir faire tout le reste. Petite précision, sur les plans, là où il n'y a pas de couleur, okay, ce sont les blocs qui sont uniques, les blocs en diagonale comme ça. Vous voyez ce bloc-là, cette rangée de blocs-là, cette rangée de blocs-là. Ok, voilà. Et donc du coup, maintenant, je vais vous donner les dimensions pour réaliser un quart du grand cercle. Je vous ai montré les dimensions pour le petit, maintenant, je vais vous montrer pour le grand. Ok, normalement, du coup, vous avez ça sous les yeux. Et ce que l'on va faire tout de suite, du coup, c'est que l'on va prendre ce cercle ici et ce cercle là-bas. Donc, à partir des grandes barres qu'on a laissées ici, comme ça. Tout ce qu'il y aura par devant, d'accord? Alors oui, pour préciser, hein, là, c'est vraiment le devant de la maison. Et les barres ici, comme ça, seront les barres qui vont correspondre au bord de la maison ici, comme ça. Ok. Donc, tout ce qu'il y aura par devant ici, on va le mettre dans le sol, en fait. On va creuser dans le sol et... comme ça, et on va mettre des blocs de diorite lisse à la place, de diorite poli par contre, pardon. Ok, donc une fois qu'on a ça, on va revenir reprendre nos blocs de quartz ici comme ça, et on va venir compter 1, 2, 3, 4, 5 blocs au-dessus de notre première rangée de quartz ici comme ça. Et on va venir refaire exactement la même chose que ce qu'on a ici. Vous voyez toute notre grande partie en quartz à ce niveau-là. Eh bien, on va refaire exactement pareil au-dessus à 5 blocs de hauteur. Ok, la même forme, bloc à bloc, prêt. Ah, bon, j'ai des bugs d'affichage de chunk. Hop. Hop, 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 hop. Voilà, comme ça, on est vraiment pile au-dessus et on fait ça sur tout le tour. Allez, hop. Et hop, ok. Une fois que l'on a ça, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre directement en place le deuxième étage et on va calculer à partir d'ici. Vous prenez ce coin-là et on va compter 17 blocs dans ce sens-là. Ici, on a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ok, à partir du 17e bloc, on recompte 5 blocs de hauteur. 2, 3, 4, 5. Ok, à partir de là, en face, youp, on est... ici, et on va compter 1 et 2 blocs sur le côté. On va recompter 5 blocs de hauteur, ok, comme ça. Et l'idée, c'est que l'on va aligner les deux blocs comme ça, avec hop, 1, 2, 3, 4, 5, paf, 1, 2, 3, 4, 5,
et hop, comme ça, en ligne. Oula. Et après, on va faire la même chose de l'autre côté, d'accord? Et l'idée, c'est que l'on va reprendre exactement, hop, la même chose qu'en dessous à chaque fois, hein, comme vous pouvez le voir sur la maison, de toute façon, tous les étages sont les mêmes, il y a juste un décalage entre chaque terrasse ici, comme ça, hein, vous voyez? Et donc l'idée, c'est ça, on va laisser tout une marge à chaque fois, comme ça, mais après, on va reprendre exactement le même pattern qu'on a en dessous, ok? Donc on va faire exactement ça. De l'autre côté, la même chose. Et on refait le pattern tout entier, ici, comme ça. Allez, hop. Hop. Une fois que vous avez ça, du coup, normalement, hein, on va pouvoir passer au troisième étage. Donc, troisième étage. On va venir, du coup, ici, là, vous voyez, prendre ce bloc-là et compter 16 blocs dans ce sens-là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et à partir du 16e bloc, on recompte 5 blocs en hauteur. Et on met... ça va être là le début de notre premier... l'étage du dessus. Voilà, je trouvais plus mes mots. Hop. Hop. Et on fait ça. C'est-à-dire qu'on va laisser 2 blocs en diagonale ici comme ça. Une barre de 2 blocs ici comme ça. Puis 2 blocs en diagonale, puis une barre de 2. Et un bloc en diagonale pour rejoindre l'autre côté, vous voyez, de la maison. Une fois qu'on a notre barre comme ça, l'idée c'est qu'il faudra faire la même chose de l'autre côté et de relier les deux exactement de la même façon qu'on l'avait fait pour les étages précédents. Voilà, voilà, allez, pouf, hop. Donc, voilà ce que ça donne. Une fois qu'on a ça, du coup, on va mettre en place du coup le dernier étage qui est en fait le toit. Hein, on va mettre en place le toit. Et donc, on va venir ici là prendre notre coin, notre bloc qu'il y a à ce niveau-là. Et on va compter 16 blocs dans ce sens-là. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hop, ici. Et on compte 5 blocs en hauteur, vous avez l'habitude. 2, 3, 4, 5. Alors oui, voilà, faut que ça s'affiche parce que sinon c'est pas mal. Et une fois qu'on a ce bloc là, on va aller rejoindre l'autre côté en 2 par 2, en bloc de 2 par 2. Vous allez derrière le bloc, vous mettez 2 blocs, paf, 1, 2, paf, 1, 2, paf, 1, 2, paf, 1, 2. Et vous arrivez pile à ce niveau là. Il faudra faire la même chose de l'autre côté et après les rejoindre avec des blocs en quartz, hein, comme on a l'habitude. Maintenant, paf, paf. Alors j'espère que pour vous... Au moins, vous n'avez pas le même bug que moi qui vous permet d'afficher les blocs. C'est quand même plus pratique. Youp. Hop. Ok. Et donc, vous voyez qu'on commence à avoir vraiment l'architecture globale, la structure, on va dire, globale de base de la maison qui est faite. On va revenir sur notre toit et maintenant, on va doubler l'épaisseur des blocs qu'on avait mis ici. C'est-à-dire, on se met sur l'intérieur et on fait hop. On place des blocs comme ça. Pour voilà, doubler l'épaisseur des blocs qu'on vient de mettre en fait, ok? On fait tout le tour comme ça. Ça va être assez rapide, on va pas se mentir. Hop. Hop. Et puis voilà, je crois que c'est bon, ouais. Une fois qu'on a ça, on va directement mettre de l'herbe, oui, des blocs d'herbe, carrément, pour recouvrir toute la surface à l'intérieur, ici. Ok? Ok, une fois qu'on a fait ça, on va faire directement les autres étages et les autres jardins ici directement. Donc vous voyez, on a des espèces de morceaux de jardin au bout de chaque terrasse et on va mettre la délimitation tout de suite. Donc ici, on va avoir 4, 5, 6, 7 blocs à ce niveau-là. Donc on va reprendre notre bout ici et on va compter 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs pour pouvoir mettre... Hop, une ligne en quartz à ce niveau-là. Et sur la partie ici, hop, on met hop, de l'herbe. Alors du coup, au niveau du deuxième étage ici, on va venir sur le coin et compter 6 blocs par l'arrière. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs. Et à partir d'ici, on va en ligne droite et on va hop, faire ça comme ça. Vous voyez, un petit zigzag comme ça, ici. Voilà, et bien sûr, hop, on remplit de terre avec de l'herbe, hein, tant qu'à faire, si possible. Ok,
on va reprendre du coup nos blocs de quartz, on va venir sur l'étage du dessus, on va reprendre notre bloc ici et on va compter 6 blocs par l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pioup, et on va de l'autre côté en diagonale, comme ça. Et donc vous l'aurez compris, toute cette partie-là, tiens j'ai oublié un bloc ici, on la met en herbe. Hop. Ok, l'idée c'est qu'il faudra faire exactement la même chose de l'autre côté. C'est pour ça que du coup, pour le reste de ce tutoriel, je ne vais faire qu'un seul côté de la maison et l'autre côté est exactement identique, d'accord? Donc du coup, il faudra refaire la même chose tout simplement. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre directement le plancher. On va venir utiliser les planches de chêne et il faudra recouvrir la totalité de la surface ici pour chaque étage. Ok, la même chose ici, que du chêne partout, la même chose ici, hein, que du chêne, etc., etc. Ok, allez, on commence pour le premier étage. Hop. Ok. Voilà, j'en ai profité aussi pour mettre les jardins de ce côté-là. La même chose du coup, hein, ici, on va mettre plein de planches sur toute cette surface. Allez, pareil. Ok. Bon, pareil, à l'étage du dessus. Hop, ici dans la surface, on met plein de planches. Hop. Et puis voilà, donc dernier étage, pareil. Hop. J'en ai profité aussi en même temps que de remplir tout ça pour poser la place du bassin en plein milieu ainsi que les murs. Vous voyez, l'emplacement des murs au premier étage. Et en fait, vous n'avez besoin que des murs du premier étage. Parce qu'en réalité, regardez ce qui se passe. Et ça, c'est plutôt sympa. Les murs du premier étage, en fait, se prolongent sur les étages supérieurs. Oui, c'est le rez-de-chaussée, mais moi, j'appelle ça le premier étage. Don't panic. Ils se prolongent au niveau des étages supérieurs. Vous voyez, c'est la même chose. Pareil ici, tous les murs sont les uns par-dessus les autres. Ici, c'est encore plus flagrant. Vous voyez, hein, les trois murs des trois étages ici, même celui d'en dessous, sont les mêmes à chaque fois. Et donc, l'idée, c'est que une fois que vous avez les murs du premier étage, vous pourrez faire tout le reste, en réalité, de la maison très facilement. Je vais vous donner, du coup, les murs, la dimension pour réaliser les murs entre ici et là-bas, parce que, de toute façon, les autres, en face, sont les mêmes. Ok, ici, du coup, vous avez un mur de 8 blocs de longueur, ici, hein, côté. Donc, à partir de là jusqu'à là, 8 blocs. Vous laissez 5, 6, 7, 8 blocs de fenêtres. Après quoi, vous mettez un bloc comme ça, 3 blocs ici. Je précise aussi, ce sont des ardoises, des abîmes carrelés qu'on va utiliser pour faire les murs, d'accord? Hop, ici, re 3 blocs et un petit bloc ici comme ça. Après, on va compter 7 blocs de vitres, d'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs ici comme ça. Ici, vous mettez 8 blocs d'ardoise en diagonale, d'accord. Ici, on compte à nouveau 8 blocs, c'est toujours 8 blocs, hein, de toute façon. 8 blocs de fenêtres, 8 blocs de murs, 8 blocs de fenêtres, 8 blocs de murs, etc., etc. Donc, on a 8 blocs ici, comme ça, de large pour les fenêtres. Ici, on recompte 2 blocs ici, comme ça, d'ardoise pour les murs. 3 derrière et re-3 ici, comme ça, sur la diagonale. Ici, du coup, on arrive au milieu de la maison, on va laisser tout cet espace-là vide, et ainsi qu'un petit carré ici, comme ça, et de l'autre côté, entre les deux murs, ce qui vous fait normalement 15 blocs entre les deux ici, comme ça, d'accord? Sur cette partie-là, eh bien, c'est exactement la même chose que sur toute cette partie-là qu'on vient de faire, donc il faudra refaire la même chose, tout simplement. Hop, on va à l'arrière de la maison maintenant, ok, donc on a ça sous les yeux. Vous venez prendre le coin qu'il y a ici, ok. Et vous mettez 3 blocs d'ardoise ici comme ça. Et 5 blocs d'ardoise ici comme ça. Ici, on relaisse 8 blocs d'espace pour la fenêtre, pour les futures fenêtres, hein, donc 3, 3 et 2. Ici, on a 4 barres de 2 comme ça en diagonale, donc de mur. Et 8 blocs de fenêtres, où on va rien mettre du coup, hein, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs, c'est comme ça que je compte, hein. Ici, pareil, on va mettre 8 blocs de mur, un bloc en diagonale ici comme ça, une barre de 2, 1, 2 blocs, une barre de 2, une barre de 1, enfin un seul bloc que tout seul. Re 8 blocs de fenêtre, du coup, hein, tac 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 tac, 8 blocs comme ça. Et re 8 blocs d'ardoise pour le mur, 2, 3 et 3, donc ça fait bien 8.
et re 8 blocs d'espace pour mettre la future fenêtre. Et une fois qu'on a ça, évidemment, les murs, il faudra les monter jusqu'au plafond. Allez hop. Hop. Ok, voilà donc ce que ça donne pour le premier étage ici comme ça. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prolonger les murs sur les étages supérieurs. Vous voyez ici ce mur-là, évidemment, on ne le prolonge pas, mais celui-ci, on le prolonge. Et normalement, vous allez voir un truc de fou qui va se passer. Il est ici donc, paf, 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 on arrive pile poil dans l'angle de l'étage du dessus. Et oui, c'est fait pour, c'est génial. Donc, on fait ça, hein. Hop, 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 on reprend la même chose, hop, ici comme ça. Alors, on est là du coup. Voilà, youp, paf, 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 à chaque fois, ah oui non, comme ça, pardon. Et puis, etc, etc, et donc du coup, de cette manière-là, on prolongera sur toute la hauteur, et regardez, hein, pareil, celui-là, pouf, 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 on le prolonge, et qu'est-ce qui se passe? On arrive pile poil dans l'angle du dernier étage, et c'est comme ça à chaque fois, vous voyez ici, là, ça arrive pile poil ici, celui-là arrive pile poil ici, etc, etc. Vous avez compris l'idée? Et pareil de l'autre côté du coup. Voilà, voilà. Donc, allez, on monte tous les murs du coup. Hop. Alors, petite précision maintenant, une fois qu'on a monté tous les murs, c'est que au niveau de l'arrière de la maison, pardon. Donc c'est la même chose, hein, on met tous les murs les uns par-dessus les autres. Sauf que ça ne matche pas au niveau du dernier étage. Vous voyez, au niveau du dernier étage, ici, normalement, vous devriez vous rendre compte qu'il n'y a rien... à ce niveau-là, au niveau du coin. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter, hop, au niveau du coin ici, vous voyez, hop, un petit mur supplémentaire de 4 blocs de large. On va prendre, voilà, un bloc ici, comme ça, tout seul, et 3 blocs en longueur. Et on va les monter pour avoir un mur au niveau du dernier étage. Alors, effectivement, ça sera le dernier mur, ça sera le seul mur de la maison qui va pas fitter avec les autres en dessous. Évidemment, on fera la même chose de l'autre côté. D'accord. Mais bon, voilà, tant pis, ce sera le seul petite exception à la règle. Très bien, alors, du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est que l'on va mettre les fenêtres. Voilà, comme ça, au moins, ce sera fait directement. On va venir prendre les vitres. Hop, voilà, les vitres. Et on va venir les mettre, voilà, entre les murs, tout simplement. Hein, voilà, ici, comme ça. Voilà, là-bas, là-bas. Ici, ici, sauf... au niveau du devant, ici comme ça, sur les trois premiers étages, ici, ici et ici, on ne mettra pas de vitres, d'accord? On en mettra plus tard, voilà, vous rappelez du coup ce qu'on avait fait là-bas. On avait mis des grands balcons, les grandes terrasses les uns par-dessus les autres, donc du coup on mettra pas de vitres. Sauf au dernier étage d'ici, en plein milieu là, on mettra une vitre aussi, comme ça, hein. Voilà, sur toute la hauteur. Et partout par là-bas, partout ici, par derrière, partout, partout. Et puis voilà, donc on met des vitres partout. Allez hop! Hop! Donc voilà. Dans la foulée, maintenant qu'on est toujours avec les vitres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place les barrières de sécurité qu'on va mettre en vitre ici, comme ça, le long de nos terrasses. Comme ça, ok. Et on va faire ça, évidemment... partout, 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 encore une fois. Hein. Hop, les débuts de construction comme ça sur les tutos, c'est toujours pareil. Hein. Il faut construire vraiment les gros, gros trucs et après, qu'il faudra refaire plein de fois partout. Et après, on ira dans les détails petit à petit. Mais voilà, en gros, on fait ça, vous voyez, sur chaque terrasse, là-bas, 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 etc., etc. Allez, hop. Voilà. Alors, pour continuer, du coup, je vais vous donner... on va faire les places centrales, voilà, les ronds au niveau du centre. Comme ça, ce sera fait. Alors, le petit trou que vous avez ici, c'est le centre, en fait, des grands cercles qu'on avait fait au tout départ. D'accord? Voilà, ça donne un petit aperçu. Hop. Et je précise d'ailleurs au niveau des ronds ici comme ça, les blocs du centre, ce sont des blocs de quartz classique. Et ce cercle là, il est en dalle de quartz, d'accord?
Ce cercle-là, d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir vers l'intérieur du cercle et on va venir doubler l'épaisseur, comme ce qu'on avait fait pour le toit y a juste avant, vous vous rappelez. Hop, voilà, on va doubler l'épaisseur. Hop, hop. Une fois qu'on a doublé notre épaisseur comme ça. D'ailleurs, c'est un peu bizarre. Maintenant que je regarde ça de haut, ici, faudrait doubler, enfin, faudrait rajouter une couche sur les coins, là. C'est pas... Tiens, j'ai oublié un truc ici. C'est pas de ouf. C'est pas de ouf. Bon, une fois qu'on a ça, du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va creuser toute la partie ici en herbe qu'on a. D'accord. Hop. Et on va creuser comme ça. Voilà, donc entre cette partie-là et cette partie-là. Hein. Et on va creuser sur deux blocs de profondeur. D'accord. Hop. Ok, donc une fois qu'on a creusé comme ça notre trou, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre les blocs de béton bleu. Voilà, de béton bleu clair même, carrément, parce qu'on est des fifous. D'ailleurs, juste pour être sûr que vous ayez l'info, entre ce cercle-là, vous voyez, et le bord ici, on a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocs d'écart. Je sais plus si j'ai donné la... la dimension ou pas, parce qu'en réalité, là, au moment où je tourne, j'ai pas encore fait les plans, donc comme ça, au cas où, vous l'avez. Donc, ce qu'on va faire avec notre béton bleu clair, on va le mettre au fond de notre bassin ici, comme ça. Vous voyez, si vous n'avez pas de béton bleu clair à disposition et que pour vous, il est plus facile en survival, lorsque vous êtes en survie, de pouvoir prendre de la laine bleu clair, prenez de la laine bleu clair. L'idée, c'est que ça soit un bleu clair. Peu importe si c'est du béton, peu importe si c'est de l'argile, de la laine, des shulker box, même si je pense que c'est un petit peu cher du coup de mettre tout le... ça va coûter cher du coup de mettre tout le fond de la piscine en shulker box. Bref, du coup voilà, on prend du béton et on tapisse tout le fond de la piscine. Hop. Ok. Une fois qu'on a ça du coup, on va utiliser... les lanternes aquatiques ainsi que les blocs de quartz et on va venir enlever les blocs qu'il y a en dessous, vous voyez les blocs ici comme ça, on va mettre du quartz à la place mais de temps en temps ici par exemple, ici aussi on va mettre des lanternes aquatiques pour pouvoir éclairer le bassin pendant la nuit. Hop, et vous voyez donc on enlève tout ça et on fait tout le tour. Hop, voilà. Et évidemment, on va faire la même chose de l'autre côté ici. On va enlever tous les blocs d'herbe en dessous des dalles de quartz. Et on va mettre du coup des blocs de quartz en dessous. Voilà. Hein. Et en mettant évidemment, pareil, des lanternes aquatiques de temps en temps. Ici en plein milieu, ici par exemple. Ici, hop. Ici en plein milieu, il est où le milieu? Il est là, etc. etc. Vous avez compris l'idée. Et on fait tout le tour comme ça. Pareil. Hop, voilà, du coup notre bassin il a une bien meilleure tête d'un seul coup. Alors du coup on va rajouter de l'eau hein, quand même. Alors voilà. Ok, donc forcément ça va beaucoup mieux. On va utiliser les blocs d'herbe et on va remplir ici la partie centrale. Hop, avec de l'herbe. Hop, voilà, sur un bloc de hauteur. Ok. Et une fois qu'on a ça, on va venir utiliser les dalles de quartz. D'ailleurs, ici, c'est pas très... Hein ? Voilà. On va remplir un petit peu. Ouais, mais parce que j'aime pas. C'est un peu faiblard, j'ai l'impression. Hop. Ici. Et je vais rajouter des... Hop. Je préfère. Ici. Bon, du coup ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser les dalles. On va venir mettre les dalles sur le côté comme ça. Hop. Et une fois qu'on a ça, on va venir doubler l'épaisseur de notre ligne de quartz ici, de notre rond de quartz, en mettant des quartz comme ça vers l'intérieur des dalles. Hop. Hop. Et on va même en mettre un petit peu plus. Paf, 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 paf. Voilà, comme ça c'est bien joli. Une fois qu'on a ça, on va venir utiliser les blocs de quartz. On va venir en plein milieu, ici, genre là. Hop, comme ça, sur deux blocs de hauteur. Si tant est que le bloc
veuille bien s'afficher. Ok. On va venir utiliser les escaliers de quartz autour, comme ça. Ok. Et on va venir utiliser... je l'ai enlevé du coup. Un muret de diorite. Parce que les diorites, c'est blanc. Hop, juste au-dessus, comme ça. On va reprendre un bloc de quartz. Et on va prendre des escaliers. Paf. Paf, on met à l'envers, comme ça. On va mettre des escaliers comme ça. Et comme ça. D'accord. Je suis en train de réfléchir un petit peu. Pouf, pouf. On va reprendre les blocs de quartz une fois que c'est comme ça. On va les mettre paf, paf en hauteur comme ça. Les remettre des escaliers comme ça. Puis comme ça, comme ça. Ok. Vous voyez l'idée. Hop, et pouf. Et comme ça, on a une espèce de statue style moderne, art contemporain sur notre fontaine. Une fois qu'on a ça, on va venir creuser dans le sol, on va revenir reprendre les lanternes aquatiques et on va venir mettre comme ça, hop, des carrés dans le sol comme ça. Et on va venir rajouter quelques lanternes aquatiques pour pouvoir... placer quelques petites feuilles dessus histoire de faire joli. Et comme ça on a de l'éclairage qui est caché un petit peu. Ok, à côté de ça on va pouvoir utiliser des lilas, pourquoi pas, qu'on va mettre genre par exemple à côté des feuilles comme ça. Et pour le reste on va utiliser de la poudre d'os. Hop. Pour mettre genre voilà un ici, un ici, un ici, histoire de donner un petit peu de vie à notre jardin de bassin ici comme ça. Comme ça au moins le bassin il est terminé et on peut passer à la suite. Et la suite du coup c'est que l'on va faire les terrasses sur la maison. Hop, donc les terrasses ici comme ça. Hein. Hop voilà, hein, donc c'est de là. Hop, j'ai mis du coup les bordures pour que ce soit plus simple. On va venir ici, vous voyez, prendre ce mur à ce niveau là. On va venir prendre à partir de là sur le devant deux blocs et on va venir mettre un bloc à ce niveau là. Ok. Et après, à partir de ce bloc là, toute une rangée de blocs en diagonale sur 10 blocs en total en diagonale. À partir d'ici, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pardon, 11 blocs en diagonale. Je me suis trompé. 11 blocs en diagonale comme ça. Après, on va mettre un bloc, une barre de 2, une autre barre de 2, une troisième barre de 2, une barre de 4 et une barre de 11 blocs ici comme ça, en plein milieu. Et normalement, vous êtes arrivé sur le devant et vous repartez sur le côté avec une barre de 4, 3 barres de 2 comme ça et après re 11 blocs en diagonale jusqu'à arriver au mur en face. D'accord ? Donc ça c'est vraiment au niveau du premier étage. Hop, sur le même étage, on va venir reprendre nos murs ici. Ok ? Notre mur ici. On va prendre ce bloc là, on va venir sur le côté et on va compter à partir de ce bloc là 1, 2, 3, 4, 5 blocs de quartz ici comme ça, puis 2, puis 1, puis 1, dans ce sens là, 2, puis 5, et puis après on revient avec la même chose, 2, puis 1, puis 1, puis 2, et 5 jusqu'ici, d'accord? Donc, une fois qu'on a ces deux cercles là, ces deux patterns là, à ce niveau là, ce que l'on va faire, c'est qu'à l'intérieur de ce pattern ici, on va mettre du quartz. On va venir prendre des blocs de quartz et on va venir, hop, complètement remplir la surface en quartz. Hop. Ok. Et au niveau du reste ici, sur toute cette surface là, ce qu'on va utiliser, ce sont des blocs de roche lisse. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, on peut mettre un petit repère. On laisse 3 blocs en diagonale sur le côté comme ça par rapport au mur et sur les 4 blocs ici qui suivent on met de la roche lisse à la place du quartz. Ça permet d'avoir un repère pour les futurs escaliers qui viendront. Bref, du coup on remplit la zone avec de la roche lisse. Hop.
Ok, une fois qu'on a rempli notre surface à ce niveau-là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va directement faire la surface du dessus. Donc, pour pouvoir faire la terrasse du dessus, on va prendre ce mur ici, ok? On va venir prendre le coin du mur, on va venir un bloc devant, un bloc sur le côté, et le premier bloc que l'on va placer sera ici, un bloc de quartz à ce niveau-là, d'accord? On met une barre de 2 sur le côté, puis 1, puis 1, puis 1, puis 2, puis 2, et une ligne de 3 ici comme ça, et ici une ligne de 9 blocs. Puis après on repart avec la même chose, une ligne de 3, une de 2, 2 blocs, 1, 2, 3 en diagonale, 2 blocs, et paf, 1 en diagonale, et on revient ici la même chose que de l'autre côté. Très bien, une fois qu'on a ça, du coup on va venir remplir toute la zone ici avec de la roche lisse. Hop, des cubes de roche lisse. Hop. Voilà. Alors maintenant, pour pouvoir accéder à ces terrasses-là, il nous faut quand même des escaliers, hein, comme on avait fait l'autre côté. Du coup, je vais vous montrer comment faire ça. Hop. Alors voilà, j'ai mis donc les repères pour faire l'escalier sur le côté. C'est un petit peu délicat, donc il faut bien suivre pour pouvoir être sûr de faire les choses correctement. On prend le bord ici de notre première terrasse, d'accord? On compte 3 blocs, et à partir du troisième bloc, on en met un sur la diagonale. Un bloc de quartz, donc. Hein. On descend d'un bloc, et on en met 2 sur la diagonale. Pareil, on descend d'un bloc, on en met 2 sur la diagonale. On descend d'un bloc, et on met une barre de 2 comme ça. Ok? Un bloc sur la diagonale. Un autre bloc sur le côté en bas. Deux blocs sur la diagonale. Deux blocs sur le côté en bas sur la diagonale et 3 sur la diagonale. Vu de haut, ça donne ça. On a 1, 2, 3, 4, 5 blocs en diagonale. Une barre de 2, 2 barres de 2, 3 barres de 2, 4 barres de 2 blocs. Et puis une barre de 3. On revient ici. On compte 1, 2, 3, 4 blocs. Et à partir du 5e ici comme ça, on met 2 blocs de quartz en diagonale, on baisse d'un, on met une barre de, enfin on en met 2 blocs sur la diagonale, ici comme ça, on baisse d'un bloc, on va sur la diagonale, on en met 2, ici pareil, on baisse d'un bloc, on va sur la diagonale, on en met 1, ici une barre de 2 en diagonale, ici une barre de 3 sur le bloc inférieur en diagonale, ici une barre de 4 qu'on va doubler en hauteur, hein. Ici, on descend d'un bloc, on va sur la diagonale, on remet une barre de 4. Et ici, une barre de 3 sur la diagonale. Oui, c'est tout en courbe, hein, donc forcément, il y a plein de diagonales partout. Vu de haut, ça nous donne ici 1, 2, 3, 4 blocs en diagonale, une barre de 2, un bloc tout seul, une barre de 2, une barre de 3, une et deux barres de 4, et une barre de 3. Voilà le résultat auquel vous devriez vous attendre normalement. Donc une fois qu'on a ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les petits dalles de quartz. Les dalles de quartz, qu'on va faire ça comme ça, ok? Paf, paf, comme ça. Puis paf, paf. Puis paf, paf. Ok? Puis donc, paf, paf. Puis, alors, j'arrive pas à avoir... Hop, comme ça. Paf, paf. D'accord? Ici, on refait 1, 2, 3, 4, ou juste 3 en fait. Comme ça, sur avec des dalles de quartz. Ok? Sur la deuxième partie, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment utiliser pareil, dalles de quartz ici et ici. Ici et ici. Ici, ici. Ici et là. Paf. Ouais, paf comme ça. Ok? Paf, paf, ici comme ça, ou juste comme ça, ok, ici on va le mettre sur 3 blocs, ok, ici sur 4, puis après sur 2, 3, 4, ouais 4 aussi, 3 blocs ici comme ça, puis on va prolonger avec des dalles sur 1, 2, 3 blocs ici comme ça, en diagonale 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, et 1 bloc comme ça, ok.
Donc voilà, ça va être vraiment pour l'escalier qui va monter ici. Une fois qu'on a ça, on va venir prendre les dalles de roche lisse. Oui mon petit père, les dalles de roche lisse. Tout à fait. Alors, on va venir mettre les dalles ici comme ça. Paf, 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 pouf. Très bien. Magnifique. Incroyable. On descend d'un cran et on refait paf, 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 paf. Voilà. On redescend d'un cran et on continue toujours sur la diagonale. On descend d'un cran, paf, 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 paf. On descend d'un cran, paf, 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 voilà. Etc, etc. Vraiment, le... l'escalier... qui est pas embêtant, là, pour le coup, hein, c'est pas spécialement... Ah non, 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 faut pas casser les marches. Ok, hop, hop. Ok, vous voyez donc comment ça rend, et du coup on a un escalier qui est plutôt sympathique, regardez, tout est aligné parfaitement, ça rend plutôt bien, et même visuellement on a des effets sympathiques. Ok, une fois qu'on a ça, bien sûr, on va venir creuser dans le sol pour mettre en place la grande, grande route en dalle. Enfin, pas en dalle, mais en roche lisse, tout simplement. Hop, comme ça. On mettra ça tout à l'heure en place, hein. Pour l'instant, on met juste ça comme ça. Hop, ok, donc voici pour l'escalier. Et finalement, on va faire quand même la grande route en roche lisse, ici, comme ça. Donc, comme vous le voyez, j'ai mis des repères pour pouvoir faire la route. Parce que c'est vrai qu'on est sur une partie particulièrement difficile de la maison. Je pense que la plus technique, la plus difficile. Du coup, pour essayer de rendre ça le plus simple possible, j'ai fait... déjà tous les patterns au sol, comme ça il n'y aura plus qu'à suivre. On va reprendre à partir de notre bloc ici de 3 blocs de dalles, ok. Et on va laisser, on va creuser dans le sol une ligne de 3 blocs ici comme ça. Bon, on en a déjà mis une ici, mais... donc ça fait 3 blocs ici. Ici on recreuse en diagonale 7 blocs dans le sol. Ici 5 blocs. Ici 4. 3. 2. 2. Et 2, ici un bloc, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 blocs en diagonale. Dans ce sens-là, on en met 2, 2, et 2, puis 3, 3, et 3, et juste un petit bloc en diagonale ici. Normalement, ici, le milieu est là. Vous devrez avoir 3 blocs ici de décalage par rapport à notre dernier bloc pour voir si vous êtes aligné avec le reste, si vous n'avez pas eu de soucis. Alors, à ce niveau-là, on vient reprendre notre dernier bloc qu'on avait mis ici sur la ligne. Ok. À partir de celui-là, on va compter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 blocs en longueur comme ça. D'accord ? Donc une ligne de 10. Ici, bah en réalité on va mettre des dalles par-dessus. Hein. Donc en fait j'ai creusé dans le sol, mais ce sont des dalles en quartz à mettre par-dessus. Ici du coup on va mettre 4 blocs de dalles. Ok. Ici sur le côté, ça sera 2 blocs. Faudra mettre les blocs en dessous par contre, là à ce niveau-là. Et ici, 2 blocs à nouveau. Ok. Ici, par contre, ça, faudra laisser ça creuser. Ok. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'à partir du milieu, là, à peu près, hein, parce qu'il faudra faire la même chose de l'autre côté, bien sûr, hein, de ce qu'on vient de faire ici. Mais en gros, toute cette zone-là, en herbe, vous voyez, entre le bout de notre escalier ici, ici et jusqu'ici, il faudra enlever toute cette zone-là. Toute la zone d'herbe qu'il y a sur le côté, là, il faudra la laisser. D'accord ? Allez, on fait ça. Hop. Ok, donc on a creusé tout ça, et évidemment ce qu'on va mettre dans le trou, c'est tout simplement de la roche lisse, voilà, et on va remplir toute la zone. Hop, voilà ce que ça donne. Alors, une fois qu'on a ça, alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose de l'autre côté, hein, assez rapidement. Pour vous c'est pareil, hein, il suffit de reprendre le tuto. Allez, je fais ça rapidement, et hop, alors voilà ce que ça donne. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va creuser l'entrée de la maison, qui, comme vous le rappelez sur le modèle que j'avais fait,
On a creusé dans le sol pour pouvoir avoir une entrée particulièrement impressionnante, impactante et tout ça et tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir reprendre le bout de notre route ici. Ok. On va venir ici comme ça. Et on va laisser en diagonale comme ça. On va compter les blocs à partir d'ici. Et tous les blocs en diagonale, on va les laisser. Et tout le reste ici, on va l'enlever. D'accord. Donc, alors... Comme ça, jusqu'à passer complètement en dessous de l'escalier. Hein. Hop. Alors, attends, que je reprenne le truc. Ici, on est en diagonale. Paf. Donc là, on respecte. Voilà. Donc là, normalement, c'est bon. Vous voyez, à partir d'ici, là, pioup, tout en diagonale non-stop jusqu'ici. Ok. Ça, on laisse. D'accord. On va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Donc, ici... Hop, la diagonale qui passe à partir de ce bloc-là, tout jusqu'au bout, jusqu'au mur là-bas, on la laisse et tout le reste à côté, on va l'enlever. Hop, voilà. Et donc, pour prendre un petit peu de recul, vous voyez ce que ça nous fait comme zone? Ça nous fait une zone comme ça, là, qui part comme ça, et tout ça, là, toute cette grande zone verte ici, du coup, entre les diagonales qu'on vient de faire et ici, jusqu'à la route, hein, toute cette zone-là, entre la maison et le bassin et les routes ici, eh bien toutes ces zones-là, on va la creuser de 5 blocs de profondeur. D'accord? Donc toutes ces zones-là, jusqu'à 5 blocs de profondeur. Allez, toutes les zones en herbe. Hein. Ok. Bon, ça a pris du temps, hein, je vais pas vous mentir. Mais c'est fait. On a tout décavé notre zone ici. Donc ça fait un gros trou. Ah ben non. Hop. Bref, donc du coup voilà ce qu'on a, hein. On a tout enlevé ici aussi. Et en dessous aussi, les murs de la maison à ce niveau-là, tout enlevé en dessous. Voilà. Donc, l'idée maintenant, c'est qu'on va venir récupérer les blocs de quartz comme ça. Et on va venir, par exemple, en dessous l'escalier, enlever toute cette ligne de blocs-là jusqu'au mur. Et on va mettre... Ah, c'est des dalles, d'accord. On va mettre des blocs de quartz en dessous comme ça. D'accord? En dessous, voilà, sur les 5 blocs de profondeur, on va... Hop, comme ça. Mettre ce mur de quartz comme ça. Comme ça, voilà, sur les 5 blocs de profondeur. Pareil sur tous les blocs qu'il y a en dessous de la maison. Sur les murs, on va prolonger le mur de la maison sous le sol, du coup, comme ça. Hein. Hop, donc il fallait creuser en dessous aussi, du coup. Etc, etc, sur toute la longueur, d'accord. Et on va faire ça, la même chose, du coup, en dessous de notre bassin. Vous voyez tous les blocs de dalles ici, comme ça, qui se prolongent. Pareil, on va mettre des blocs de quartz en dessous, comme ça, et on va faire descendre ce mur tout jusqu'à 5 blocs de profondeur. Hop, tout jusqu'au sol. Paf. Voilà. Alors, et ici, je crois qu'il en manque un, voilà. Bref, vous avez compris l'idée. Sous, partout, tout ça, à partir de là, enfin, pas sous la route, parce que ça sert à rien, mais tout ici, là, hop, tout ça, on prolonge tout ça jusqu'au sol. Allez, let's go. Hop, ok. Alors, une fois qu'on a ça... J'ai placé, ouais, j'ai mis des lumières aussi histoire qu'on voit quelque chose, et j'ai aussi placé cette partie-là pour qu'on puisse la faire ensemble, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué honnêtement. Du coup voilà, hein, c'est le prolongement de la barrière du côté de l'escalier on va dire. Donc ici vous avez votre barre de deux blocs, ok, de dalles, et vos blocs de quartz en dessous, d'accord. Sur la diagonale vous mettez un bloc de quartz, vous descendez d'un cran. Et sur la diagonale, vous mettez une barre de 2. Puis une barre de 2 en diagonale. On descend d'un cran en diagonale, on en met 4. En diagonale, sur le même plan, on en met 3. À côté, en prolongeant, on en met 5. Et ici, sur la diagonale, on en met 4. Puis 1 sur la diagonale. 2 avec un cran en dessous à côté. Et voilà, 2 comme ça. Ok,
Une fois qu'on a ça, on va venir prendre les blocs de quartz et on va venir les prolonger jusqu'à... Alors oui, non, c'est pas des vrais blocs. Ah, blocs de quartz. Et on va venir les prolonger jusqu'au sol. Hop. Ok, une fois qu'on a ça, du coup, on va venir utiliser les dalles de quartz. On va venir un peu smooth, tout ça. Donc, je sais pas comment on dit en français, lisser, on va dire, hein, un petit peu tout ça. On met deux dalles ici, comme ça. On en met trois ici, comme ça. On en met 1, 2, 3, 4 ici comme ça. Et ici de l'autre côté, voilà, ici sur la longueur. Comme ça, on a quelque chose d'un peu plus visuellement sympathique. Ok, donc dans cette partie-là, on va rajouter un jardin qui va être en pente, qui va suivre la pente. Et on va le faire, hop, voilà, aller jusqu'ici par exemple. Et on va faire une courbe un peu, hop, un peu comme ça par exemple. Un peu. Alors. Voilà, quelque chose comme ça. Donc on commence ici en deux blocs par deux blocs par deux blocs. Puis après toute une diagonale. Et on finit comme ça par deux blocs pour rejoindre le mur par exemple. Donc à l'étage d'en dessous, on va aller jusqu'ici. Vous voyez, jusqu'au bord de la dalle à ce niveau-là. Et pareil, on va faire une courbe un peu comme ça. Paf, paf, pour pouvoir, et on mettra après le reste des, hop, des blocs de terre du coup, comme ça, youp, hop. Alors, pour ceux qui veulent les dimensions du coup, on prend notre dalle ici, on va sur le côté, on en met 3, puis 2, 1, 2, 3, 4 ici en diagonale, 2 ici, et 1 pour rejoindre le mur. Et pareil, hein, hop, on descend comme ça, on va ici jusqu'à côté de la dalle, on refait comme ça, hop, voilà. Bon, il n'y a pas besoin de mettre ça ici par exemple. Donc ici, ce coup-ci, on en met 4 à côté, ici comme ça, on commence avec 4, puis après 3, puis 2, puis 2. Et pareil, on remplit toute la zone qu'il y a derrière, hop. Et pour ceux qui restent du coup ici, ben, tout simplement, on les met au niveau du sol, hein, tout va bien. Allez, hop. Hop, ok. Donc voilà, on a un jardin plutôt sympathique. Alors, maintenant, on va revenir à notre escalier ici. Donc, on va venir prendre un escalier pour descendre ici tout simplement, hein, et pour pouvoir avoir une ouverture à ce niveau-là. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre des marches de deux blocs de large ici, comme ça. Hop, que l'on va mettre pile en face des autres blocs comme ça, d'accord. D'ailleurs, on va enlever ici, ici je veux dire, ok. Et pareil, paf, paf, comme ça. Hop. Vous voyez, donc on met deux marches par deux marches comme ça, en face de celle qu'on avait juste au-dessus. Et c'est tout, et on continue comme ça jusqu'à avoir un bloc de décalage. Alors attends, je vais vous montrer, hop, non, on va faire ça comme ça, ok, et ici comme ça. Bref, on fait ça tout jusqu'au sol, et au sol on va laisser de la roche lisse. On va paver tout le sol ici comme ça, vous voyez, sur toute la surface ici en roche lisse du coup. Ok, alors évidemment il faudra enlever les lanternes aquatiques. Moi je les ai posées pour avoir de la lumière pour la vidéo, parce que sinon ça fait un peu moins bien. Mais voilà, normalement il faut paver tout ça. On finit juste l'escalier pour savoir où est-ce qu'on en a besoin exactement. Allez, hop. Hop. Vous voyez, hein, donc comment l'escalier a été fait à chaque fois, hein. Allez, 2 puis 2 puis 2 puis 2 puis 2 puis 2 comme ça à chaque fois. Et au final ça donne cet effet là, ce qui est plutôt pas mal. Vous voyez, c'est un peu comme si on avait mis plein de carrés comme ça les uns à côté des autres. Vous voyez, plein de carrés un peu partout. On peut voir ça comme ça aussi. Bref, donc une fois qu'on a ça, on va venir reprendre nos dalles, nos blocs de roche lisse, et on va faire hop comme ça. Et à partir de là, du coup, on va mettre au sol tout, on va paver en fait tout le sol avec des dalles de, enfin, avec des roches lisses, pas des dalles, des roches lisses. Petite précision, avant de mettre un dallage de roche lisse partout, il va nous falloir mettre un petit bassin à ce niveau là, d'accord, et va mettre l'entrée de la maison ici aussi comme ça. Donc je vais vous donner les dimensions pour faire ça, et après on fera tout le pavage qui reste.
Bien sûr. Donc, vous prenez le bord de l'escalier ici, donc les trois blocs qui sont à ce niveau-là. Vous prenez ici des dalles de quartz et vous en mettez trois comme ça, d'accord? Puis après deux sur le côté, en diagonale. Puis après un en diagonale, puis deux comme ça. Trois ici, puis deux. Un, deux, trois et à nouveau deux et vous rejoignez ici normalement, d'accord? Ok. On va vraiment finir notre petit bassin rapidement. On va utiliser des blocs de quartz qu'on va mettre en dessous. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Ok, une fois qu'on a ça, on va venir creuser dans le sol. Ok. Et on va venir recouvrir le sol qu'on vient de creuser de blocs de béton bleu clair. Hop. Ok, on va mettre de l'eau maintenant. Et puis voilà. Du coup, maintenant qu'on a fait notre petit bassin, on va venir ici, là, sur notre grande entrée. On va venir prendre, hop, ici, notre coin. On va se mettre sur le côté et on va commencer à poser des blocs de quartz. Ici, comme ça, donc 4. Ici, puis 2, puis 1, puis 1. Ok, puis 2. Et puis 5, ici, d'accord? Puis après, on va de l'autre côté. 2, 1, 1, 2, comme ça. Et re 4, normalement vous arrivez ici qui est le symétrique par rapport à l'autre côté. Très bien, une fois qu'on a ça, on va laisser ça, on va pas le toucher, on fera l'entrée après. On va venir reprendre les blocs de roche lisse et on va refinir, voilà, de pavés, du coup, comme je disais tout à l'heure, tout le reste de la zone. Hop. Ok, j'en ai aussi profité pour faire l'autre côté, hein, pour faire le symétrique. Alors, on va faire maintenant des piliers pour faire l'entrée, hein. Des piliers à la romaine pour que ça soit bien classe, bien imposant. Et donc pour ça, on va utiliser les piliers de quartz, d'accord? On va venir ici sur le côté, en plein milieu du bassin, c'est-à-dire qu'on va prendre ici notre écart là, on va compter 1, 2, 3 blocs, et au quatrième, on pose notre pilier. On le monte tout jusqu'au plafond, ok, et on va venir mettre des escaliers au niveau du pied ainsi que des dalles, hop, comme ça, ok, et on va faire la même chose au plafond, paf, 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 ainsi que des dalles comme ça, d'accord. Et en fait, ce style de pilier là, on va faire la même pour les trois autres qui restent. Hop, allez, on fait la même chose, hop. Alors maintenant, on va faire l'entrée, hop, de la maison. Ok, donc voilà ce que ça donne avec les piliers. L'entrée de la maison, du coup, maintenant, on va venir reprendre ce qu'on avait laissé tout à l'heure ici, comme ça. Et on va mettre des blocs de verre bleu, bleu clair, ici, comme ça, par-dessus. D'accord? Voilà. Hop, en laissant un trou pour l'entrée ici, sur les trois blocs du milieu. D'accord? Et pour les blocs de verre qu'on a mis, eh bien, on va les faire prolonger en hauteur jusqu'au plafond. Ok. Alors, une fois qu'on a ça, on va venir sur les côtés ici, vous voyez, on va venir joindre le mur en verre et le mur en ardoise. Hop, voilà. Et on va venir aussi mettre au niveau de l'entrée, comme ça, laisser une ouverture aller de 4 blocs de haut pour faire vraiment mastoc style et tout. Et on bouche le trou au-dessus quand même parce que voilà. Alors, on va faire l'intérieur du coup ici. J'ai laissé directement des trous ici comme ça, vous voyez, sur le côté. Donc de 3 blocs comme ça sur le côté, de 2 blocs ici. Voilà, puis après 3, puis après 2. Et l'idée, c'est de creuser un trou et de mettre du béton bleu clair au fond. Évidemment, vous avez compris l'idée. C'est que on va mettre, hop, des bassins à ce niveau-là, des petits bassins. Pareil de l'autre côté, hein, du coup, hop. Voilà. Et l'idée maintenant, c'est qu'on va mettre l'escalier en plein milieu. Alors, l'escalier, on va le faire avec des dalles et des escaliers en chaîne. Ok. On va prendre vraiment le milieu ici de notre mur et on va vraiment compter. On va ouvrir un trou dedans et on va compter 1, 2, 3, 1, 2, 3 de chaque côté. On va mettre une ligne de dalles. On va utiliser des escaliers et on va les mettre ici comme ça, sur 5 blocs de large, hein, on laisse un de chaque côté. Hop, on reprend les escaliers, on en met 3 ce coup-ci de large, ok. Paf, l'étage en dessous, pareil, on en remet 3, ok.
On reprend les dalles et on va venir mettre en dessous, si j'arrive à cliquer où il faut. Hop, ici, comme ça. Des dalles sur 5 blocs de large. D'accord. Et re, des dalles, pouf, en dessous. Voilà. Sur 7 blocs de large, du coup, pour reprendre la partie du dessus, pour reprendre la même chose. Vous voyez, normalement, on est bien aligné avec l'entrée et tout ça. Une fois qu'on a ça, du coup, on va utiliser les blocs de quartz, pouf, pouf, comme ça, sur les côtés. Et vous voyez que on entoure bien la partie en bleu qu'on vient de faire. Donc, pareil de l'autre côté. Et une fois qu'on a ça, évidemment, on va venir prolonger, hop, les murs jusqu'au sol. Hop. Voilà, comme ça. Et une fois qu'on a ça, on va déjà encadrer, voilà, notre nos petits bassins ici sur le côté. Et ici, là, vous voyez, en plein milieu, eh bien, on a de l'espace pour pouvoir mettre de la lumière. Et notamment, ce qu'on va utiliser, ce sont des sea lanternes, donc des lanternes de la mer, des lanternes aquatiques, que j'ai enlevé de mon inventaire il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Hop. Voilà. Et l'idée, c'est d'utiliser des tapis après par-dessus. Le tapis blanc par exemple, et on va venir, hop, voilà, mettre un maximum de lanternes. Vous pouvez utiliser évidemment de la glowstone, n'importe quel bloc qui fait de la lumière, ça marche évidemment. Hop. Et l'idée, une fois qu'on a fait ça, donc ça pique un peu les yeux, mais l'idée, c'est justement de pouvoir mettre après des tapis par dessus comme ça. Hop, et donc le tout après reste blanc et on est bon, ça reste joli. Hop, voilà. Ok, il nous reste plus qu'à mettre un petit peu d'eau dans les bassins. Hop. Ok. Et donc on est plutôt pas mal. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que l'on va rajouter à tout ça des décorations. C'est-à-dire qu'on va venir ici là par exemple. Paf, vous voyez donc en diagonale d'un bloc par rapport à ce coin ici. Et par ici là par exemple, donc en diagonale par rapport à ici. Et on va venir rajouter des feuilles comme ça par-dessus. 1, 2, 3 blocs de hauteur. 1, 2, 3, peut-être aussi, peut-être 4 ici comme on est en recul. Pas sur les côtés, en fait il faudra faire la même chose de l'autre côté de notre entrée. Et l'idée, c'est qu'on va venir aussi à l'intérieur, comme on l'avait vu, hop, sur notre modèle, hein, c'est qu'à l'intérieur on va faire un peu de décoration aussi. Hop. Ah ben, j'en avais mis plus d'ailleurs, tiens. C'est à dire qu'on va utiliser du coup des barres de laine d'ici comme ça qui vont pendre du plafond, et on va mettre, voilà, une ligne de 3 blocs de feuilles comme ça qui vont pendre au-dessus. Donc vous voyez ici, tiens d'ailleurs, j'avais laissé l'entrée complètement ouverte. Je vais comme ça des petites différences entre ce que j'avais fait avant, ce que j'ai fait après, c'est pas grave. Voilà pour l'entrée. Du coup, pour ceux qui veulent la refaire, on peut aussi mettre des trous, hop, dans le mur ici, mettre des lanternes aquatiques et rajouter du coup des trappes biscornues par-dessus, voilà, pour donner un petit peu plus de relief, de volume à tout ça. Ok, donc maintenant que ça c'est bon, on va finir les terrasses, c'est-à-dire qu'on va utiliser les, comment on appelle ça, les vitres, voilà, que l'on va venir mettre ici comme ça, hein, sur le long de la terrasse. Ok. Et ben pareil ici, là vous voyez, on va reprendre les blocs de vert bleu clair, et on va venir les mettre ici comme ça sur donc la partie qu'on avait laissée tout à l'heure en blanc. Hop. Ok. Bon, ben voilà, ça avance un petit peu. On va mettre du coup les, hop, les vitres du coup sur notre, hop, sur notre partie ici aussi. Voilà, donc une fois qu'on a ça, ce que l'on va faire, c'est qu'on va rajouter des dalles de quartz, en fait. Hop. Ici, donc sur la partie basse du bloc, sur le devant
des lignes de dalles qu'on a fait sur les étages. Donc on va le faire devant les terrasses ici comme ça. Mais on va pas le faire que devant les terrasses. On va le faire aussi sur le prolongement, sur les étages ici comme ça, vous voyez. Hop, 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 hop. Donc voilà, tout le long ici, pareil au niveau de ces étages-là, tout le long, hop, 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 comme ça, hein, voilà, de toute une ligne de quartz qui va venir par devant. Tac, 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 tac. Pareil à l'étage du dessus et pareil encore à l'étage du dessus au niveau du toit. Ok, et pareil aussi, on prolonge sur tout le côté ici et sur tout l'arrière du bâtiment, on fera la même chose, ok. Regardez ici, hein, vous voyez, on voit bien les dalles qu'on a rajoutées par-dessus. Pour donner un côté de relief supplémentaire. Voilà. Donc, allez, let's go. Hop. Ok, une fois qu'on a ça, on voit qu'on a ajouté un petit peu plus de finition à la maison. Et on voit quand même qu'elle commence à prendre vraiment de la tronche. Ce qui est pas mal. On va rajouter rapidement, parce que c'est vrai que ça fait joli, des arbres. Hop, quelques arbres du coup. Sur les différentes terrasses qu'on avait mis aux différents étages. Ici, là, vous voyez, pareil partout. Allez, un ou deux selon les... voilà, selon les étages. Ici, sur le toit, on peut en mettre peut-être un peu plus. Hop, pas trop les resserrer non plus pour pas que ça devienne une forêt. Mais voilà, peut-être même un seul. Hop. Et puis après, voilà, de la poudre d'os. Paf. Et on peut en mettre aussi, voilà, sur le sol. Hop, ok. Ben voilà ce que ça donne déjà. On voit tout de suite que c'est plus habillé. Qu'il y a plus, voilà, c'est plus vivant. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment passer à une grosse partie. La dernière vraie grosse partie. Après, on ne fera plus que des finitions. C'est donc tout le jardin enterré ici avec l'entrée en pont et tout ça. Donc il va falloir faire ça. Donc je vous invite à revenir ici. Là vous prenez le coin de la maison. Prenez les blocs de diorite qu'on avait mis juste à côté. Et on va compter 18 blocs dans ce sens là. Donc les 4 ici. 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et à partir de là on va mettre un repère comme ça. Et tout ça pour dire que avant cette partie là, donc c'est donc jusqu'à notre repère ici, jusqu'à la maison, on va creuser de 5 blocs de profondeur dans cette partie là et dans cette partie là jusque là bas donc il faudra faire la même chose de l'autre côté, il faudra creuser de 10 blocs de profondeur, d'accord. Donc bah allez, hein, va falloir faire ça, sachant aussi qu'il va falloir creuser 5 blocs de profondeur aussi en dessous de la maison, et on verra ça juste après. Allez, du coup on commence. Hop. Ok, donc il faudra aussi creuser en dessous des blocs de diorite qu'on avait déjà mis, hein, bien sûr. Et l'idée, c'est que l'on va mettre les murs en diorite comme ça, voilà, sur la hauteur. Et on les met partout. Enfin, sauf ici, hein, j'ai fait que cette première partie pour l'instant. Ok. Hop. Ah, bah, j'ai oublié un petit coin, d'accord. Alors, l'idée maintenant, c'est que l'on va continuer à creuser, mais dans, sous la maison, on va creuser sur 21 blocs de longueur. Donc à 5 blocs de profondeur, pareil, sur 21 blocs de longueur. Ok, let's go. Hop. Ok, donc voilà ce que ça donne, hein, une fois qu'on a creusé en dessous. Alors l'idée évidemment, c'est qu'on va remplacer les murs ici en pierre par de la diorite, comme ça. D'ailleurs ici, comme il y a un trou, on va laisser l'herbe comme ça et on va venir utiliser la diorite par-dessus. Voilà, faire voilà, un mur comme ça, et ce surtout la longueur. Et ici, du coup, je pense qu'on peut, voilà, creuser comme ça. Un peu sur... je sais pas si on peut faire ça sur toute la longueur. Oui, on peut, très bien. Peut-être pas ici, du coup. Bref, ici. Voilà. Et mettre les murs comme ça, du coup... sur la longueur comme ça, évidemment, tout le mur ici en dirt, on va l'enlever, on va mettre de la diorite à la place. Et pareil, le mur du fond ici, on va le mettre en diorite aussi par-dessus. Allez hop. Hop. Ok. Oui, c'est plus propre quand même d'un seul coup là. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser les blocs de quartz. On va venir ici, hop,
sur le bord de notre maison pour mettre une ligne de quartz ici comme ça. Et sur le reste de l'intérieur de la maison, on va mettre des planches de chêne. Ainsi comme ça sur, donc, bah, sur toute la surface, ici. Allez, hop. Et puis voilà. Alors, pour le reste ici du terrain, on va utiliser des blocs d'herbe, hein, tout simplement. Hop, et on va venir mettre de l'herbe sur tout le reste de la surface, jusqu'à la limite dont j'avais parlé tout à l'heure. Donc l'idée, c'est que à la limite là en question, on va venir utiliser des blocs de quartz, et on va venir le mettre... Hop, alors là du coup c'est des piliers de quartz, mais alors l'idée c'est juste des blocs de quartz classiques. Hop, quartz lisse, quartz, voilà, quartz. Ok, et on va venir les mettre comme ça. Alors, jusqu'ici comme ça, on va dire. Voilà, pour pouvoir laisser la place au futur escalier, d'accord. Et donc pour tout le reste à ce niveau là, on va mettre de l'herbe partout. Allez hop, hop. Ok, donc une fois qu'on a ça, on va venir faire ici donc la deuxième grande partie, et on va venir la creuser. Donc on va faire la même chose ici, hein, que, bah, on va faire la même chose là-bas de l'autre côté de la maison que ce qu'on a fait ici, hein, bien sûr. Et pour la partie qui reste, on la creuse à 10 blocs de profondeur, voilà. Allez, let's go. Hop. Ok, bah ça prend du temps, hein. Alors, donc l'idée ici, c'est qu'on va venir reprendre les blocs de quartz, on va venir creuser, hop, ici comme ça, hop, pour mettre, voilà, des blocs ici comme ça, pour faire un mur, hein, tout simplement, hop, hop. L'idée, c'est que du coup, on va venir reprendre les blocs d'herbe et on va venir mettre de l'herbe, hop, comme ça, au niveau du fond de notre jardin, d'accord. Voilà, et on fait ça sur vraiment toute la surface. Là pour le coup on peut y aller, il n'y a pas de souci. Yep. Ok, alors une fois qu'on a ça, du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les escaliers en quartz, du coup, hop, et on va venir faire, hop, des escaliers qui vont descendre, voilà, jusque là, voilà, tout simplement. Et puis jusqu'au jardin bas, au bas jardin. Je sais pas comment on va prononcer, comment on peut dire pour cette partie-là de la maison, le bas jardin, le jardin. Le bas jardin. On va dire ça, le jardin du bas. Et puis voilà. Donc on utilise les blocs de quartz comme ça, d'escalier de quartz. Hop, ok. Hop. Hop. Pas forcément facile. Mais allez, voilà. Du premier coup, bien sûr. Paf. Du premier, voilà. Premier coup. Très bien. Hop, ok, voilà, donc on arrive à faire quand même un escalier à peu près potable. Ok, une fois qu'on a ça, du coup, le reste de l'escalier ici, comme ça, on va le combler de cette manière. Ok, une fois qu'on a ça, on va venir utiliser les dalles en diorite poli. Ok, et on va venir mettre des dalles ici par-dessus, comme ça, les murs qu'on avait déjà fait juste avant, ok. Voilà, jusque là. Et pareil, on prolonge ici, paf paf, jusque à l'entrée. Il va falloir faire l'entrée du coup. Voilà, donc jusqu'à un bloc ici comme ça, ok. Et la même chose de l'autre côté, pouf. Ok, et on poursuit comme ça jusqu'à arriver jusque la maison. Hop. Alors, une fois qu'on a ça, du coup, on va... Alors, je vais faire l'autre côté très rapidement, hein, pour pouvoir après faire l'entrée. Allez, hop. Hop. Ok. Donc, voilà ce que l'on a. Alors, maintenant, pour faire l'entrée, on va utiliser les blocs de quartz. On va venir pile,
pile poil au milieu. Donc le milieu ici, c'est là, je crois. Normalement, c'est ici. Ok, très bien. On va compter donc 1, 2, 3 blocs et on va mettre un bloc de quartz. On reprend le milieu et on va compter 1, 2, 3 blocs. On met un bloc de quartz ici comme ça. Hop, on prolonge le bloc comme ça. Ok, et on va utiliser des blocs pour refaire la même chose ici comme ça en dessous. Hop, ici comme ça. Youp. Et du coup, on va reprendre les blocs de roche lisse comme ça et on va venir les prolonger. Hop, jusqu'à l'entrée véritablement. Hop. Hop, voilà. Un peu l'idée. Donc du coup, une fois qu'on est en dessous ici, vous voyez qu'on voit les blocs ici comme ça de roche lisse. Les plus intéressants, plus jolis, je pense, de mettre des dalles en quartz comme ça en dessous pour que ça cache un peu. Hop, pour que ça cache. Youp, voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va venir enlever les parties en bloc de quartz qu'on a mis comme ça. Oui, je sais, j'arrête pas d'enlever, de remettre les trucs que je fais. C'est normal, vous inquiétez pas. On va venir remettre du coup les dalles ici, à ce niveau. Ici comme ça, pareil de l'autre côté. Hop, voilà. Et une fois qu'on a fait ça, vous allez reprendre les tapis blancs. Et on va venir les mettre par-dessus comme ça. Hop. Et hop, d'accord. Et puis voilà. On a notre entrée qui est toute jolie, toute belle, toute propre. Et tout va bien. Et voilà, donc du coup maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les escaliers pour pouvoir monter aux étages. Parce que vous pouvez le voir, pour l'instant on peut monter au rez-de-chaussée, on peut monter au premier étage ici. Mais les deux derniers étages, on peut pas monter dessus. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici à l'intérieur là. On va venir prendre ce mur là, compter à partir de blocs juste devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs, paf, paf, on va mettre sur 3 blocs de large, sur 2 blocs de large, pardon. Et on va mettre des escaliers en chaîne comme ça. Hop, paf, 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 voilà. Hop, voilà, et on fait un escalier comme ça. L'idée, c'est bien évidemment, il faudra pas oublier de les mettre à l'envers aussi. Hop, comme ça. Et on va venir les mettre aussi, voilà, avec des blocs de quartz sur le côté pour pouvoir, hop, remonter tout ça. Donc, une fois qu'on est haut à l'étage, ok, on va creuser comme ça. Et on va venir mettre des blocs de quartz ici, sur le côté. Et on va directement faire les escaliers pour monter à l'étage du dessus directement. Donc on reprend nos blocs de quartz ici comme ça. On les met, hop, comme ça sur le côté. On les remet, paf, paf, à l'envers. Hop, paf, 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 comme ça. On enlève nos escaliers ici. Hop. On reprend les blocs de quartz qu'on met évidemment sur le côté, hop, de notre escalier comme ça. Hop, ok. Et ainsi que de cette façon là. Hop, vous voyez. Et une fois qu'on a ça, on va remettre du quartz tout autour de notre escalier comme ça, ok. L'idée, c'est qu'il faudra faire évidemment la même chose de l'autre côté de la maison, bien sûr. Une fois qu'on aura fait ça, il nous faudra reprendre les vitres pour pouvoir mettre une barrière autour de notre escalier. Vous voyez, voilà, un escalier tout simple. Alors maintenant, il y a quand même quelque chose qui est un peu embêtant. Vous voyez que, eh bien, au dernier étage, ben on a un plafond
en comment ça s'appelle? J'allais dire en papier, c'est pas du tout ça, c'est de la terre, voilà, je trouvais plus le mot. On a de la terre du coup au niveau du plafond, donc c'est pas quand même très 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 joli. On va utiliser du coup des dalles en quartz classique que l'on va mettre comme ça au niveau du plafond. Et on va complètement, hop, mettre du plafond comme ça. Alors on va mettre un petit peu, on va changer un petit peu les fenêtres pour pouvoir vraiment mettre du quartz vraiment partout. Là où il en a besoin pour camoufler les escaliers, pas les escaliers, les salons, le plafond, voilà, le plafond du coup en dirt, comme ça, et on va vraiment mettre du coup des dalles partout, vous voyez, sur toute la longueur de notre maison. Hop, vous voyez, d'un seul coup, c'est tout de suite beaucoup plus joli. Alors, l'idée, bien sûr, c'est qu'il faudra faire la même chose au niveau de chaque étage à chaque fois que vous aurez un plafond comme ça qu'il y aura du quartz dessus. Enfin, voilà, vous m'avez compris. Voilà, comme ça. Voilà. Ok, donc, évidemment, il faudra le faire à chaque fois. Hop, en dessous de chaque plafond en dirt. Et hop, voilà, donc j'ai facilement... J'ai failli tomber par terre. Bref, du coup, on va utiliser des tableaux, du coup, et on va venir faire des grands carrés comme ça, ici. Ok, hop, et on va venir mettre un support comme ça quand même derrière pour pouvoir mettre des tableaux comme ça directement sur le côté de notre bassin ici. Parce que voilà, comme ça, moi, ça nous fait un petit... un petit peu de décoration, c'est plutôt sympathique. On va faire maintenant mettre un petit peu plus de finition de comment on appelle ça, d'espèce d'arbre en fait. C'est pas vraiment un arbre, c'est une sorte d'arbre en fait. Donc je vous invite à venir prendre des barrières comme ça en chêne sombre, en chêne noir, et venir ici là du coup entre l'escalier et le mur sur la petite espace qui y a encore ici, et on va venir mettre, hop, des étages comme ça. On va venir mettre du coup d'énormes troncs comme ça en chaîne, et on va venir mettre du coup des feuilles par dessus ici comme ça par exemple, ok, jusqu'ici, et mettre des trappes biscornues juste par-dessus, parce que pourquoi pas, parce que c'est joli et tout et tout. On va venir faire plusieurs arbres comme ça, voilà, plusieurs, avec des arbres plus en plus bas, par exemple deux blocs plus bas que celui juste avant. Donc là on en avait juste 1, 2, 3, je vois rien du tout à cause du bloc lui-même. On avait donc, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 blocs de hauteur au niveau de notre arbre, ok, pour nos barrières en bois. Hop. Et ici, du coup, on va décaler de 5, 6 blocs, peut-être, par exemple, sur 1, 2, 3, 4... Ouais, 4, 5 blocs de décalage en diagonale. Et on va mettre 2 blocs de hauteur en moins. Ici, vous voyez, donc on a 2 blocs en moins par rapport à tout à l'heure. Et on va venir mettre d'autres feuilles par-dessus comme ça. Peut-être avec 2 ou 3 blocs de moins aussi. Histoire d'avoir des décalages comme ça. On va faire des arbres comme on a fait. Et on va venir faire des arbres de plus en plus bas au fur et à mesure qu'on ira vers l'entrée de la maison. D'accord ? Hop, donc allez, on recompte vers les 5, 1, 2, 3, 4, 5 blocs ici, comme ça peut-être, pour 2 blocs de moins au niveau du tronc. Hop, on remet des feuilles ici comme ça, voilà, jusqu'à 2 blocs de feuilles de moins. Par exemple, peut-être là ça fait un petit peu trop, voilà. Donc sur 1, 2, 3, 4 blocs de hauteur de feuilles, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 peut-être. Ah, j'arrive pas à voir, hein, vraiment avec... Alors attends, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 5 blocs de hauteur de barrière.
Ok, une fois qu'on a ça, on continue un petit peu. On va donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs, hop, comme ça, sur 3 blocs de hauteur. On reprend des feuilles, 1, 2, 3, 4, ouais, voilà, 4 blocs de feuilles. Hop, on remet des trappes biscornues au-dessus. Pareil, on compte 1, 2, 3, 4, 5, paf, ici. Juste un bloc de barrière, ok. Pouf, des trappes encore au-dessus. Et puis comme ça, on va continuer. Alors, on reprend nos blocs de feuilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peut-être on creuse dans le sol pour pouvoir avoir un petit peu d'éclairage. Du coup, on va faire des lanternes aquatiques. Voilà. Paf. Et 1, 2, peut-être 3, 2 blocs de feuilles. Voilà, 2 blocs de hauteur de feuilles. Et on va laisser toujours aller 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, paf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, paf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, paf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, paf. Ici c'était un petit peu court, donc du coup on va reprendre les blocs, hop, ici de lanterne, on les met ici, voilà, jusque là, hop, et on remet les feuilles par-dessus, hop. Hop, hop, comme ceci, c'est tout de suite beaucoup plus sympathique. On va venir rajouter des feuilles par-dessus des lanternes de la mer qu'on va mettre ici, genre par exemple comme ça, voilà. Hop, 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 ok. Toujours bien de pouvoir mettre des lanternes un petit peu partout, là où on en a besoin. Tiens, il manque des choses ici. Et avoir de l'éclairage, parce que c'est vrai que l'éclairage est assez difficile à obtenir. Vous voyez, hein, là, c'est pas du luxe d'avoir mis de l'éclairage à ce niveau-là. Surtout en dessous de du grand préau ici. C'est tout de suite un petit peu plus compliqué. On met toujours deux blocs de feuilles par-dessus. Hop, 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 hop. Et on va venir mettre des petites fleurs. On va venir mettre, par exemple, des... Comment on appelle ça? Des oustonies bleues. J'avais jamais entendu parler de ça avant, vous voyez, hop, voilà. Faudra faire évidemment la même chose de l'autre côté de la maison, hein, comme d'habitude, vous commencez à être habitué. Et ben du coup on a quand même pas mal avancé, mine de rien. Je pense qu'on arrive vraiment au bout du bout et il faudra juste vérifier les finitions encore. Donc on va utiliser les lanternes de la mer, par exemple, dans notre grand jardin ici. On va venir creuser, hop, juste en dessous de notre comment on appelle ça d'ailleurs, voilà, de notre entrée, voilà, comme ça. Et voilà, tous les je sais pas trop combien de blocs à partir de maintenant, on va mettre comme ça, incruster dans le mur des lanternes aquatiques, hop, pour pouvoir avoir de l'éclairage, parce que c'est vrai que c'est quand même pas mal ici. C'est vrai que on n'avait pas mis, hop, ici deux vitres, il en faudrait quand même, c'est plutôt mieux avec. Hop, hop, voilà. Et pareil de l'autre côté, bien sûr. Hop, 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 hop. Mais peut-être que ici on va aussi mettre des lanternes aquatiques plus bas pour avoir plus de, voilà, plus d'éclairage au niveau du bas, hein. Hop, voilà, pareil. Ici, comme ça. Vous voyez, comme ça, on a un éclairage vraiment en hauteur et un éclairage vraiment plus bas. Comme ça, on a vraiment tout le loisir de faire de l'éclairage partout. Ok. Donc, je crois qu'on a fait le tour, vraiment, hein, au niveau des grandes structures de la maison. Et vraiment, ce que je vous invite à faire maintenant, c'est qu'on va voir les finitions. Vraiment les finitions. Alors, au niveau du jardin, on va venir mettre comme ça un petit... chemin, voilà, en plaque de pression en pierre qu'on va venir mettre sur le devant comme ça de notre entrée de la maison, tac 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 tac, jusque devant l'escalier, et on va venir le prolonger comme ça, vous voyez, sur tout le long de notre jardin comme ça. Au niveau des arbres, on va utiliser des end rods pour pouvoir mettre des feuilles un peu comme ça au-dessus pour avoir encore plus d'éclairage. Et encore, voilà, quelques feuilles de chêne, des fougères avec plein de coquelicots partout.
Hop, comme ça, ça fait plutôt sympathique. Hop, ok. On va venir évidemment rajouter des vitres comme ça sur le bord de notre mur en quartz qu'on avait fait. Comme ça nous fait une petite barrière. Ainsi qu'une petite terrasse qu'on avait fait. Alors c'est un peu ça, c'est la... comment on appelle ça? La petite astuce, on creuse un bloc dans le sol et on met des trappes comme ça sur le sol. Et on pourra mettre du coup une autre barre. Regardez, paf, comme ça, pouf et pouf. Non, alors c'est pas comme ça que je voulais faire. Bon, c'est pas du tout comme ça que je voulais faire. Bon. Mais... Ah, comment je fais? Voilà, voilà, voilà. Et donc, on creuse dans le sol, on met une trappe encore au-dessus et on peut mettre du coup d'autres blocs. Alors non, c'est pas ça qu'il fallait faire. Voilà, d'autres blocs au-dessus. Comme par exemple des plaques de pression. Paf, on peut les mettre comme ça. Et évidemment, paf, paf, on met d'autres trappes comme ça sur le côté pour faire vraiment une table. Ok? Donc ça, c'est la petite astuce qui est plutôt pas mal. On met quelques escaliers pour faire des sièges. Voilà, la petite astuce classique, mais qui marche plutôt bien. Au niveau de l'entrée du coup de la maison, le petit tapis en plein milieu avec des lanternes aquatiques avec lesquelles on la camoufle avec des trappes comme ça. Vous voyez? C'est très très simple. Très très simple comme astuce, mais ça rend plutôt bien avoir un espèce de grand couloir comme ça. Avec voilà des end rods avec des trappes en chaîne juste en dessous sur la longueur comme ça, et puis c'est à peu près tout en fait. Finalement, on peut réutiliser des tableaux comme ça, hop, sur le côté. Évidemment, ça nous donne toujours des très grands tableaux, donc l'idée c'est de mettre plutôt des tableaux comme ça. On peut en mettre un peu partout, paf paf paf, voilà, par exemple de l'autre côté comme ça, ça fait quelque chose quelque chose d'assez joli. Regardez, voilà, plutôt sympathique. Du coup voilà, après toute cette partie là je vous avais déjà montré du coup hein, évidemment avec les différentes étagères qui sont entièrement en trappe par exemple hein, voilà les tapis, bon classique, les composteurs avec les feuilles au dessus, les escaliers, les lits avec l'entourage comme ça, la tête de lit fait de la même couleur de laine que le lit lui-même, on entoure avec des dalles et puis ça rend plutôt sympathique. Donc tout ça on avait déjà vu la dernière fois. Ce que je peux vous montrer de plus du coup, voilà par exemple ce genre de canapé, et donc avec des dalles comme ça en quartz que l'on met du coup des tapis par dessus et du coup de la neige par devant avec une petite épaisseur en moins que la dalle pour pouvoir avoir une espèce d'assise, une espèce d'endroit pour s'asseoir du coup qui est un petit peu en décalage, qui donne du coup tout un tas de relief à notre canapé, ce qui est plutôt sympathique. Puis sinon voilà, pour le reste on est vraiment sur des astuces assez classiques. Par exemple ici comme ça on a un plafonnier qui se tient avec des barres de laine et des trappes comme ça en carré avec un trou dedans. C'est la petite astuce design on va dire, mais voilà, c'est très 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 classique, très sympathique. Par dessus du coup, ce qui nous reste ce sont les terrasses. Alors les terrasses, on va utiliser des transats que l'on va faire en escalier de chêne noir et en dalle comme ça pour faire des transats tout simplement. Voilà, en décalage peut-être un petit peu comme ça, avec des dalles de grès du coup que l'on met voilà, juste à côté, histoire de donner un petit peu de choses dessus sur notre terrasse finalement. Puis voilà, sur le reste du coup on utilise des barres de laine avec des feuilles au dessus et des trappes biscornues au dessus voilà, donc c'est de la végétation qui est là pour mettre de l'éclairage un petit peu comme ça. On peut en mettre 8 blocs comme ça sur le devant de notre terrasse, ok, avec 5 blocs d'écart entre chaque feuille comme ça. Et puis bon bah voilà, hop, pareil, on peut mettre un petit bloc de feuille ici comme ça en prenant cette ligne là de blocs par exemple, on décale de 4 blocs sur le devant, on met juste un bloc tout seul avec de la lanterne aquatique en dessous, toujours en train de mettre de l'éclairage partout hein, vraiment.
Hop, on décale de deux blocs ici comme ça. Et puis deux blocs de feuilles. Deux blocs ici comme ça. Puis trois blocs en hauteur. Deux blocs de décalage encore une fois. Trois blocs en hauteur à chaque fois. Voilà, l'étage du dessus, c'est un peu la même chose. On remet des terrasses avec du coup des escaliers et des dalles en chêne noir. Voilà, pour des transats. Voilà, une table en grès comme ça. De 5 blocs de large pour ceux qui ont envie, en plein centre, en plein milieu. Et puis voilà, on remet encore une fois donc du coup des espèces de végétation avec des barres de land et des feuilles, voilà, classiques, très très classiques, mais qui marchent bien. Mais qui marchent bien, ça donne vraiment beaucoup de détails. On fait exactement la même chose du coup ici sur cette terrasse-là, sur cette terrasse-là ici, sur cette terrasse là-bas ici. Hop, ici, 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 pareil, hein, la même chose partout. Et puis voilà. Sur le reste, on avait déjà visité. Donc il me semble qu'il ne reste pas grand chose à voir, à faire maintenant. On peut rajouter encore une fois des oustonies sur cette partie-là de du jardin. Ok. Bon, j'avais rajouté aussi quelques grandes fougères à ce niveau-là. Et puis... ben voilà, on peut aussi d'ailleurs ajouter quelques feuilles d'azalée avec des fleurs, vous voyez, donc ça c'est les nouveaux blocs qu'on a eu avec la nouvelle mise à jour, et c'est vrai que ça rend très très bien. On peut rajouter des fleurs aussi si vous voulez. À chaque fois je fais des trucs un petit peu différents, mais en fait voilà, ça marche bien. Donc bon, bah je pense que c'est bon, je vois pas trop ce que je peux faire d'autre, ce que je peux vous montrer d'autre. À mon avis c'est bon, à mon avis on a fini. Si jamais vous avez n'importe quelle petite question, n'hésitez pas à vous les poser, à les poser dans les commentaires de la vidéo. J'y répondrai bien sûr avec, avec beaucoup d'enthousiasme. En tout cas, si jamais vous avez la moindre question, la moindre idée, la moindre chose que vous n'avez pas comprise, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires pour que je puisse m'améliorer et pour les prochaines vidéos faire encore mieux. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur Twitch aussi comment est-ce que on construit les prochaines vidéos, les prochaines constructions pour les prochains tutoriels. Merci à tous, bon jeu, Matelot, et à la prochaine.